Bon, donc il est pas encore en ville. Il y a papy, vous vous rappelez le mec qui a survécu là? Il veut me revoir. Ah ouais, c'est vrai que t'as martyrisé une skin. Ouais, il veut me revoir, frère. Voilà, il veut me revoir. On a vu les avis de recherche par rapport à Doumé ou je sais pas comment ça s'appelle là. C'est combien la récompense? Ouais. Nous, on est chaud. C'est combien la récompense? Voilà, ça va. Pourquoi vous sortez la moitié de Jack? Vous avez vu? J'ai pas l'information. Je suis prêt. Prochaine insulte, tu prends. Doumé, il est là. Non, sérieux? On va le soulever lui. Il est en ville, frère. Oui, monsieur Doumé. Oui. Comment vas-tu? Ça va très bien, vous êtes qui? Je suis monsieur DiCaprio. Quelqu'un qui t'en voulait, je pense. Qui ça? Je sais pas, j'ai qu'un numéro de téléphone actuellement. Attends, t'as le numéro du mec qui m'en veut? Donne-moi son numéro de téléphone. Et il y a un mec de la Black Market qui va débarquer chez vous, il va tous vous fusiller. Ah, ok, vas-y, donne-moi son numéro à ce con là. Djibril, c'est le nom du... Tu sais, de l'ambulancier de la ville là? Makassi. C'est quoi ça? Ça termine par quoi son numéro là? 75 998. Ah, 998. Ah bah c'est bien ce numéro là, ouais. C'est ce numéro là qui a appelé papy. Oh, ok. C'est lui qui nous a menacé. Ah bah on va lui dire bonjour alors. Il est sympathique lui. Excusez le dérangement, nous avons l'obligation de poser toute carte sur le... Oh bon, on l'a excusé frère. Dis-le, bats les couilles. Oui. Vas-y, casse-toi, c'est bon. Wesh. Voilà, ça va pas se passer comme ça. C'est des ouf, hein. Attends, je tire sur les flics, là. Attends. Ouais. Oh, non, on prend un autre véhicule, casse-toi. Go. Ah, je vais ça pas va. Je me suis fait déglinguer. Attends. C'est quoi ça? Viens, il nous est tourné, viens là. Je me suis fait déglinguer, ou calme. Ouais, ils sont là. Ah ouais, c'est toi qui conduis. Ils sont au niveau de l'autoroute, Fais demi-tour. Ah, l'autoroute, ça va. Ah, t'inquiète. Eh, doucement. Attends, je bois. Je bois, je crois envie de mourir. Mets le masque. J'appelle Camille là. Ouais, qu'est-ce que c'est ces derniers temps que tu fais que l'appeler la meuf? Frère, j'ai mal, ils m'ont roulé dessus, t'es sérieux toi? Ah, demande-lui de venir nous soigner. Attends, on va s'arrêter là-bas, on s'est arrêté la dernière fois là. Philippe. Oui, Camille, ça va? Ça va et toi? Ouais, t'es toujours en service? Oui, toujours. Ouais, il y aurait moyen que je t'envoie ta position, que tu viennes me soigner s'il te plaît? Vas-y. Ok, je t'envoie ça dans 5 minutes, ok? Ok, reçu. Vers le nord de la ville, bisous. Elle va arriver. Je crois qu'elle derrière lui, on se casse, il va. Quoi? Mais pourquoi tu cours? Mec, il poursuivait un mec qui était en moto. Eh ben, on va peut-être le voir ici. Mais c'est des gars qui étaient en moto, frère. Et nous, on a rien, y a pas de moto, y a rien. Non, Djibril, il m'a dit à la radio qu'il se fait suivre par les flics. Il se faisait rechercher par les flics? Ouais, il se fait poursuivre. Mais il a fait quoi? Bah, il nous rejoignait en voiture volo. Ah ouais? Ouais, ils ont tapé un accident. Attends, parce qu'il m'a dit il les a tués. Il s'est fait what the fuck? Non, sérieux? Ah non, il s'est trompé. Ah, il m'a dit ils sont derrière lui. Mais pourquoi? Ouais, frère, t'es où? Pourquoi il a fui? C'est juste qu'il était en véhicule volé. Et il voulait vite, ils ont voulu la. Ah ouais, mais il a pas pris Mireille. Parce qu'il m'a dit comme ça. Il m'a dit Mireille est morte. Je fais, bah, remplace ça. Ouais, il a un colomètre 6. Il m'a dit les flics ont confondu et m'ont tiré dessus. Papy, il va pas tenir longtemps. Comment ça, ils ont confondu, wesh? Mais il a pas de chance, c'est le papy le moins chanceux de toute la ville, frère. Vas-y, on va le chercher vite. Moi, je vais rester ici. Hein. Hey, Oak, va le chercher, moi, je reste là, y'a Camille qui arrive. Va. Non. Prends la voiture rapide, moi, je reste là. Camille, elle arrive. Prends la voiture rapide. Wesh, les flics. Wesh. Alors? Ouais, y'a les flics qui sont passés juste devant moi, j'étais dans un buisson, frère. The fuck? Voilà, ouais. J'étais caché dans un buisson, ils sont passés juste devant moi. J'ai eu le réflexe de me mettre dans un buisson, frère. Ils sont passés à toute vitesse. Attends, deux secondes, attends. Wesh. Il s'est passé quoi? Elle me dit pas que c'est Camille qui a balancé ma position, quand même. Ouais, j'entends l'hélicoptère et tout. Non, je crois qu'ils se sont fait embarquer. RIP. Attends, j'appelle Camille. Il dit que j'arrive, j'ai eu un petit accrochage avec un taxi, je suis là dans 20 minutes. Ok, ça marche. Eh, t'as pas prévenu les flics, non? Non, du tout. Ok, ça marche. T'as pas croisé Oak et tout sur la route? Non plus, j'ai juste croisé. Ok, c'est bon, je te vois. Ouais, ça va quoi, Camille? Merci d'être venu, hein, c'est gentil. Ouais, non mais désolé, il y a c'est le prix de taxi, là, il m'est rentré dedans, devant là. Moi, je me suis fait percuter par une voiture. C'est n'importe quoi dans cette ville. Ah, il y a tous des chauffeurs, hein. Ouais, c'est n'importe.
Du coup, je pense que je dois avoir un tibia. Non, je pense que je dois avoir un tibia fêlé ou un truc comme ça. Ah, mais c'est normal, vous avez tout fêlé, hein. Ouais, bah, tout ce qui est fêlé, fellation, c'est mon dada. Ah bon, j'irai pas jusque là. Oh, bon, ouais. Oups. Du coup, vous avez mal où, du coup? Bah, exactement là. Là où vous appuyez, là. Sur ma jambe gauche. Ici? Ouais, là, exactement. Aïe, 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 aïe. J'ai reposé la même question tout à l'heure. 8. La question, voilà. Du coup, je pense un bon pansement, d'accord, et c'est réglé, hein. Ou bien un plâtre. Ah, il faut un plâtre, je crois. Attendez, je vais... Est-ce que vous pouvez me mettre assis, s'il vous plaît? Ouais, bien sûr, bien sûr. Putain, 10 ans, frère. C'est juste un peu déplacé. D'accord. Elle est pas très vite, la voiture, à mon avis, si. Non, ça va. Franchement, ça va. Heureusement, d'ailleurs, respecter au minimum la vitesse, quoi. D'accord. Alors, je vais nettoyer tout le sang qu'il y a autour, là, quand même. Ça marche. Hop. Je désinfecte. Ça risque de piquer ouais, un peu, pique, hein, ouais, avec de l'alcool. Ça pique quand même. Hein. Faut serrer un peu les dents. Ouais, bah faut serrer celui des fesses, hein. Vous êtes un bonhomme, vous. Ah, on est des bonhommes. Allez, hop, je vous mets un petit bandage, vous me dites si je suis un de trop. Top, c'est parfait. Je vais voir comment ça fait quand je marche, je vais voir comment ça fait, là. Attendez, je vais voir un peu. Ouais, ça va, ça me gêne pas trop, hein. Ouais, ça va, hein. Attendez, je fais juste un petit dernier truc. Oui. Attendez, bougez pas, je sens juste le petit truc pour vous bloquer la cheville. Toujours aussi souple, hein. Ça me fait plaisir. Ouais, vous avez vu, hein. Ça va beaucoup mieux, là. Là, le petit truc de la cheville, là, je l'ai bien senti, hein. Ouais, ça va mieux. Ah ouais, ça va beaucoup mieux même. Ça marche. Vous voulez du coup, je vais descendre en ville? Ouais, je veux bien, marcher, ouais. Du coup, franchement, je veux bien, ce serait gentil de votre part. S'il répond pas, Jirbut, c'est que ils sont en prison. Ils sont chez les flics. Où est-ce que je vous dépose, du coup? Parking central, s'il vous plaît, ça vous dérange pas? Non, pas de soucis, c'est sur ma route. Ok, parfait. Oh, attendez, non, je vais vous mettre un point. Je vais mettre un point. Ça ok, va aller attendez, je lève le mien peut-être. Allez-y, ouais. Ouais, juste là, c'est parfait. Là. Ah, allez-y. Ouais, parce que j'ai plein de sang sur mes vêtements, là, du coup, je vais changer mes vêtements. Ah oui, puis j'ai dû couper un peu votre jean. Ouais, Bon, sinon, ça se passe en ville? Ça bouge un peu? Bah, écoutez, ce soir, c'est calme, hein. Il n'y a pas beaucoup d'accidents. Ouais, je vois. Est-ce que vous pouvez appeler le comico, enfin un des flics pour voir si quelqu'un a besoin de soi en cellule? Je crains que mes amis Hawk et Jibril y soient. Mais écoutez, si c'est le cas, nous on reçoit tout de suite un beeper. C'est vrai, on a un beeper et du coup. Ah, attendez, y a mon ami qui m'appelle. Tiens, ça tombe bien. Non. Allô? Beau gosse. Ouais, j'étais en zonze ou quoi? Non. Oh. Ouais, moi, c'est une histoire de ouf. Ah quoi? Je veux dire en fait que je leur ai dit qu'en gros ils m'ont parlé de Douma en fait et je leur ai dit ouais Douma il a une grosse équipe, il a armé et tout, du coup ils m'ont fait ouais mais vas-y on te laisse partir. D'accord, et Hawk? Il répond pas, Hawk? Il est où, Hawk? Il y a Doumé qui m'a appelé, en fait. Hein. Ouais, pourquoi? Une idée, j'ai pas pu répondre, j'étais avec les keufs. Ah, ok. Mais du coup, Hawk, il répond pas, hein? Ouais. Hawk, il répond pas au téléphone? Il répond pas. Même en radio, il est absent. Je pense qu'il est en zonze, hein? Il est pas en zonze, parce que j'étais là, moi. J'étais devant la prison. Mais qu'est-ce qu'il fait alors, ce con? Il était pas avec toi? Mais frère, il est parti pour te récupérer. Il a pris la. Moi, j'étais parti déjà. Ah ouais? Mais attends, mais il a disparu ou quoi, lui? Non, parce qu'il y a l'autre qui m'a appelé, tu sais quoi? Attends, viens en radio, pire. Non, je peux pas, rappelle-le. Vas-y, là. Vous avez des soucis avec vos amis, hein? Merci. Non, je sais pas, la police aujourd'hui elle est vraiment énervée quoi. Genre, il y a eu plusieurs contrôles d'identité parce qu'ils cherchent un certain Doumé. Et du coup, bah en fait, ils nous confondent avec lui. Et ça fait trois contrôles en une seule soirée. Du coup, bah. Mes amis sont pas trop contents quoi. Bah, ça se comprend en même temps. Bah ouais, c'est pas cool quoi. Je veux dire, on n'est pas des fugitifs, merde. Un fugitif, il va pas se rendre au parking central de la ville. Bah normalement, non, hein. Alors, il est con, hein. Excusez-moi. Hein. Oh bah non, bah vous avez raison, il est con. Et Camille, c'est qui vous a fourni l'information par rapport au véhicule avec des hommes à l'intérieur, etc. Bah c'est moi en fait, quand je l'ai vu en fait. Parce que j'allais au parking central voir si. Ah ouais, il était à quel niveau à ce moment-là? Bah il était. Vous savez, il y a le gardien là. Il y a le gardien qui donne les clés des véhicules attends, en fait. Prenez vite. Faites marcher là, s'il vous plaît. La petite ruelle là. Ah, il y a un véhicule là. Ouais, faites demi-tour au pire, ouais. Allez-y, continuez un petit peu. Vas-y, roule. Allez-y, roulez. Je vous dis stop. Continuez. Voilà, à gauche. Il y a des gens là-bas, non? C'est qui ça? On dirait. Allez les voir pour voir c'est qui. S'ils ont besoin d'aide. Je sais pas, c'est des honnêtes travailleurs, non? Ouais, c'est des honnêtes travailleurs. Putain, on commence à douter tout le monde maintenant. C'est un truc de ouf. Bah, excusez-nous, monsieur. Ouais, non. Excusez-nous, hein. Allez, bon travail. Bonne journée. Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah, ouais. Mais par contre, Hawk, il m'inquiète, hein, et j'ai plus trop de nouvelles de lui. Papy chelou, il y a un de tes amis qui s'est fait arrêter. Depuis quand, vous a plus de nouvelles? Ah, il s'est fait. Ah non, c'est bon, il s'est fait arrêter, Hawk. Putain. Ah, je suis dégoûté, là. Ah, là. Je ne me le ferai pas dire. Chaque fois, ils arrêtent les mauvaises personnes, les bonnes personnes, et les mettent en prison, et les mauvaises, elles traînent toujours en ville. C'est incroyable, cette histoire. Ah, mais vous savez, en plus, la petite Doumé, là. Ouais. Je crois que je l'ai vu à l'hôpital tout à l'heure, les agents sont venus le chercher. Ah ouais? Et moi, du coup, j'ai dû partir, je crois, en intervention. Quand, bah après, je pensais que tout était nickel, entre guillemets, quand les agents avaient... Mais apparemment,
Si on est qu'il encore à chercher. Bah, je sais pas. Ils ont pas l'air très doué la Lispédie. Hein. Non, pas trop. Hein. Ils sont plus énervés qu'autre chose. Hein. Ouais, je pousse les cowboys, je crois. Hein. C'est un peu ça, ouais. Et du coup, là, c'est qui vos collègues, là, ambulanciers là? Ah, là, il y a. Pour le moment, il y a moi au service, monsieur Da Silva, je crois que vous avez déjà vu. Ouais. Et le médecin Ward, le gars là, donc là où il y a des grosses interventions. Quoi. Putain, mais l'autre, qu'est-ce qu'il a freiné comme ça? Apprends à conduire, toi. Pardon, des fois j'ai des poussées. Vous avez raison. Faut se faire respecter en tant que femme, hein. C'est pas évident de se faire respecter dans cette ville, hein. Déjà, quand on est un homme, on galère. Ah ouais, non. Ah, je vous raconte pas. Je vous garde là, ça ira très bien. Oui, parfait. Merci beaucoup, mademoiselle Camille. Très gentil. Pas de soucis, n'hésitez pas si vous avez besoin. Y'a pas de soucis. Merci encore. Bisous à vous. Ah ok, bon Hawk les gars il est en prison. Moi faut que je me change, parce que sinon il y a des filles qui vont me reconnaître. Alors, changer de tenue. Oh là là, je suis cool les Hawk, je suis cool. Mais si j'y vais, ils vont trouver le moyen de m'inculper. Ah, papy chelou, il est à l'hosto. Ah il est à l'hôpital. Mademoiselle Camille, vous pouvez me déposer à l'hôpital? Oui. Merci, parce qu'il y a mon ami en fait là-bas. J'allais aller voir si Allez, c'est parti. Pas mal la polo, hein. Merci. Ça fait longtemps que vous êtes en ville, monsieur DiCaprio? Oh oui, ça fait des mois, hein. Ah oui. L'un des plus honnêtes citoyens de cette ville. Eh ben mon vieux. Ouais. Et vos amis aussi, ou Oui, bien sûr. Trois flics armés. Un qui monte la garde, cagoule en Mercedes grise. Ouais, Djibril. Ouais. Y a aucun hôpital? Oui, mais c'est tendu. Je te rappelle dans 30 secondes, ok? Vas-y, j'arrive à l'hôpital, moi. Non. Va pas à l'hôpital. À côté, alors? Ouais, à côté, ouais. Vas-y, bisous. Bon, apparemment, l'hôpital, il est blindé de flics, hein? Ah bon? Ah ouais, y en a un qui monte la garde, apparemment, dans une Mercedes. Arrêtez-moi ici, s'il vous plaît. Merci, mademoiselle Fleury. À bientôt. Pas de soucis, bah, couragez-vous. Merci, ouais, ça marche. Je vais attendre Djibril. En vérité, on pourrait soulever un flic, hein, pour rigoler. Ouais, je t'envoie mon poseur, Bibi. Y'a un flic apparemment qui monte la carte dans une. Il est cagoulé dans une Mercedes. Faut lever. Ouais, j'aimerais bien en vérité. Qui m'a braqué hier? Ah, c'est celui qui m'a braqué hier. Tu veux qu'on le soulève? Gros, c'est celui qui m'a braqué hier, celui-là. Sérieux? Vas-y, viens, je t'envoie la position. J'arrive. Ouais, il a dit on le soulève. Je suis là. Ouais, je suis dépassé au calme, lui. Mais il est con ou quoi? Bah alors, Djibril, les flics qui sont passés devant moi. Et pourquoi il est pas venu à la position? Il est con ou quoi? Wesh! Oh! Wesh! Wesh, t'étais passé devant moi, t'as même pas vu! Je t'ai pas vu! Attends, c'est. Oh, je t'avais pas reconnu en fait! C'est pas Mireille, je monte pas! Attends, y'a Camille! Allo? Bic? Oui? Je chuchote là parce que. Ouais. On a vu les policiers là, je crois qu'ils ont votre ami là! Oui, ils sont où? Un bah là, je crois qu'ils viennent de sortir de l'hôpital. Hein. Ah, ok, j'ai vu la voiture de police passer. Ok, très bien. Merci pour l'information. Pas de soucis. Bisous. Ils sont au comico, ils viennent partir au comico. Je l'ai vu la voiture de flic. Ouais. Putain. Bah merde. Pourquoi ils l'ont embarqué? Attends, moi je t'explique la. C'est une Mireille ça? Ouais, c'est une Mireille. Attends, viens, on y va à pied, viens. À pied, pourquoi tu veux y aller? Ah frère, tu vas encore comico? Te faire soulever au calme et tout. Ah, mais viens, on discute d'abord. Comico. On discute. Ah, ouais, ouais. J'ai parlé à l'autre là. Ouais, alors? Pas confiance. Il fait pas confiance? À toi. Ah, à moi? Ouais, il m'a dit qu'il est à côté, en gros. Ouais. Celle-là, est-ce que vous pouvez juste la déplacer un petit peu, s'il vous plaît? Ouais. Je viens de la sortir, non? C'est Da Silva? Ouais, c'est ça. Ça va comment, pote? Et vous? Ça va mieux, les brûlures? Ça va mieux. Ouais, alhamdoulilah, là. Bah écoutez, n'oubliez pas, faut mettre du miel. Toujours mettre du miel pour les brûlures. D'accord. C'est un cicatrisant naturel. Ouais, bisous, Da Silva. Je te kiffe. Ouais, c'est Da Silva. Pourquoi il fait pas confiance, Doumé? Il est sérieux, lui? Là, il a mon numéro en plus, ce con. Ouais, faut que je mange. Ouais. Du coup, tu m'as dit, il te faisait pas confiance. Ouais, pour quelle raison? Attends, le mec, parce je l'appelle. En gros, les mecs, je lui donne mon numéro. En gros, t'avais pas. Je lui donne mon numéro et tout. Passé, en fait, mais quel passé, ouais, frère? T'as soi-disant passé que. Je sais pas, frère. Les mecs qui travaillent avec lui disent que t'es pas un mec fiable. Mais ils me connaissent, mais d'où ils me connaissent, les mecs qui travaillent? J'ai jamais travaillé avec personne, moi. Pas. Ouais, vas-y, bref. Et du coup il te fait pas confiance, il m'a dit qu'il était il avait une vie au bord des mers et qu'il était comment dire, il était à côté d'un mec enfin en gros il était à côté du blanchisseur quoi. Il y a une maison là-bas, une planque. Ouais. Bah du coup, il a qu'à t'envoyer là-bas. Ouais, mais frère, dis-lui qu'il t'envoie la position comme ça, tu vois. Il veut pas envoyer la position en fait, il veut pas envoyer la position exacte, il veut juste me faire galérer, je crois en fait. Eh, tu sais quoi? Laisse-le, on s'en bat les couilles de sa vie, frère. Ouais. Voilà. C'est quoi de ces gens là, ils font leur manière? Eh, il a cru que c'était Pablo Escobar ou quoi ce petit PD là? Il est sérieux là?
Voilà, il fait trop la clochard avant. On va soulever, frère. Hier, il faisait sa pute, frère. En cellule, il se faisait déglinguer comme voilà, une tarte. Voilà, il se faisait hagar par les keufs. Maintenant, il fait le mec. Voilà, il fait le fou, wesh. Vas-y, casse-toi, voilà, wesh. Ils ont chié dessus, les flics, frère. Et maintenant, il fait le mec. Vas-y, bon, on va prendre. Eh, pourquoi Hawk il s'est fait. Ah, tu sais, pourquoi en fait. Il a quoi, Hawk? Frère, j'étais avec Hawk, smash. On était au parking central. Le flic lui dit ouais. Je vous ai vu passer. En fait, vous, je vous ai vu. Vous avez une tournée au bout d'un moment, non? Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Quand le flic. Le blanc, là. En fait, là, en fait, il avait les flics derrière moi. Et moi, quand je les ai vus passer, je leur ai coupé la route, ils m'ont pété dedans, en fait. Et du coup, après, ils sont partis changer de véhicule au Comico. Ah ouais. Et moi, j'ai dû changer de véhicule parce que Mireille, elle était morte. Suite à ça. Et du coup. Nous, on s'est réfugié au nord. Coup, après, j'ai pris un véhicule et mon coursier. Ouais, on s'est réfugié au nord et après, au moment où t'as dit j'ai besoin d'aide, Hawk il est parti. Et quand il est parti, moi je suis resté dans un buisson. J'ai un réflexe de rester dans le buisson, frère. Les flics sont passés, ils m'ont même pas vu, j'étais dans le buisson, frère. Et après, bah je pense. Mais comment ils l'ont pécho avec une Zentorno, quoi? Ça, c'est Hawk, il a dû faire un accident, le Kimbo. Comme d'hab. Ah, voilà, Hawk, on est sur sa conduite, frère. Voilà, comme d'habitude. Bon, viens. On va au Comico. On prend le véhicule que t'as pris tout à l'heure là. Ah t'es sûr parce qu'en cas de course poursuite t'as plus la merde avec ça. Non mais voilà. C'est bon, ils ont plus l'annonce là, c'est bon. Tu l'as volé non? Ouais mais je crois que. Non, Hawk il m'a dit que quand tu remontes dedans Ah ouais tu l'as. Non bah c'est mort, laisse tomber. Ouais bah c'est bon, laisse tomber. Là on prend un véhicule puissant moi tu vois. Là-bas le bleu. Arrête-toi. Ah là-bas. Non, derrière. C'est le marché aux puces. Derrière. Là, derrière, la noire. Non la noire, celle-là. Elle tourne pas, je la connais, voilà, elle tourne pas. Je la connais, elle tourne pas. Voilà, je la connais, fais-moi confiance, elle tourne pas. Mets un masque. Vas-y, go. Eh bon, ça campe à pied, ou calme. Ha ouais. M'skina, il est au hap, ça? Ouais, il est au hap, là. Ça y est, frère. Le doc, il est pas en ville. Vas-y, frère, lui, c'est bon. Lui, comme par hasard, quand on veut le soulever, tu vois, il est jamais là. Ah ouais. Et hier, on l'a oublié, tu vois, on l'avait laissé respirer. Il a un 18ème sens, frère. Oh là, c'est un truc de ouf. Attends, je vais l'appeler. Il est énervé. À la tonalité. Oh là, vite ma mère, il est pas là, wesh. Attends, doucement. Ouais, il abuse. Il n'y a pas qu'il y a des flics en civil. Hein. Ouais, du coup, maintenant, on sait que c'est un flic qui a la merde. Fais gaffe, descends pas. On a un cagoule, elle descend. Gare la plus loin, et après, on y va. D'accord, parce qu'il est en face. Ouais, c'est bon. Qu'on aille à pied. Ouais, c'est bon ça. Toi, tu voles un véhicule, mais tu prends la peine de le garer et tout, quand même. Putain, je pensais pas que c'était un pantalon en cuir quand j'ai mis celui-là. Ah, ça sert, hein. Là, Johnny. Ouais, c'est du latex, Johnny frère. Local, c'est du latex. Ouais, c'est du latex. Un gant. Ouais, je te les salope. Attends. Dis-moi, viens. Viens, on reprend la voiture. Viens. J'ai une idée, viens, on reprend la voiture. Tu veux pas prendre le véhicule de flic? Non, viens. Bon, là, ce serait bien un jour de pétaler un véhicule, hein. J'aimerais bien conduire un véhicule de flic. Ouais, mets ton masque quand tu rentres dans la voiture. Ouais. Arrête! Attends. Attends juste un test. Ok, vas-y, c'est bon. Juste pour voir si ça fonctionne. Des fois, moi, tu sais, mon arme, elle s'enraye un peu. Ouais, ça c'est dans non, tête. Passe devant le Comico. Passe devant le Comico, tu vois où, frère? Vas-y, arrête-toi. Ouais. Oh le patin! Vas-y, roule. Oh le patin! Ah, je crois que c'est lui qui nous a allumé. Roule. Tu sais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Fils de pute, tout à l'heure, ils nous ont tiré dessus, frère. Sur l'autoroute, moi et Hawk. Ah ouais? Voilà, ils nous ont tiré dessus, frère. Hawk. Ah, mais j'ai prévenu Hawk, j'ai prévenu direct, en fait. Dès que je les ai vus partir. Ils sont pris pour des cow-boys, frère. Ah, voilà, ils sont trop chauds. Mais c'est l'autre, là. Aimé Césaire, là. Barthez. Voilà, ils aiment trop tirer, frère. Voilà, laisse tomber. Hier, elle m'a tiré une balle dans la jambe. Go, planque. Planque appartement. Vas-y, ouais. Gare là. C'est que des souvenirs. Ouais, gare là loin. Pas devant la plaque. Ah, je la garé dans la ruelle, là, à gauche. Ah, c'est bon. Oh là, ils font les fous, ces flics. Oh là. On sait jamais, frère. On sait jamais s'il y a quelqu'un. Oh là. Toujours être sur ses gardes. Mais personne ne le connaît, ce tapot. Ah, mais frère, on sait jamais, tu vois. Ouais, frère, ils ont voulu faire les tags avec nous. Oh là, vous allez remplacer vos véhicules, bande de tags de merde, va. Ah, du coup, Doumé, c'est mort, hein. Vas-y, attends, je vais. Ouais, Doumé, ouais. Et il sert à rien, ce mec. Voilà. Doumé, il m'a dit à peu près où il était. Il est à côté du blanchisseur, en gros. Mais... blanchisseur à gauche. Et bah, appelle les flics et dis. Appelle un des flics si t'as leur numéro. Et tu leur donnes l'info, tu vois. Le numéro, ouais. Au moins, bah vas-y, au moins, comme ça, t'auras une récompense, tu vois. Mais il m'a dit qu'à moi, en fait. Il m'a dit qu'à moi. Bah vas-y. Attends, ils ont son numéro de téléphone ou pas, les flics? Papito, il sait pas qu'il est là-bas. Ils ont son numéro de téléphone ou pas, les flics? Je sais pas, je vais demander. Attends, c'est quoi, j'appelle? Ouais, tu leur dis j'ai son numéro de téléphone et sa position. Mais frère, il saura direct que c'est moi, en fait. Bah les couilles, frère. Il est pas content, on se soulève quand il sort. Allo? Ouais, je sais où il est. Vous savez, il y a un blanchisseur en haut à gauche, là. Enfin, vers la plage. Vers une épicerie. Une épicerie. Ouais, j'ai son numéro, j'ai sa position. Il y a un blanchisseur, si vous voulez, en fait, vers une épicerie. La lignée d'épicerie, il y a 3 épiceries alignées. La position. Là, je suis pas là, mais je suis pas. J'y suis pas, mais en fait, je l'ai appelé.
Et il m'a dit qu'en fait, il avait une vue sur la mer, comme quoi il y avait des mouettes, il y avait un blanchisseur à côté de lui, et que c'était en fait la lignée, en fait, là où il est dans une planque, en fait. Une maison ouverte, il est dans une maison qu'il a les clés, et à côté de la plage. Donc si vous allez là-bas, vous pouvez chercher un peu et vous trouverez. Ouais, mais plus, vous connaissez pas le blanchiment. Il y a deux blanchiments à côté là-bas, deux blanchiments à côté. Allô. Wesh, l'homme le plus recherché de la ville. Bon alors, ça fait quoi de vous là? Bah écoute, j'étais en train d'échapper à la police justement. Encore? Wesh, mais ouais, ils sont vraiment incompétents. Bah ils savaient surtout pas que c'était moi, ils m'ont juste pris en chasse parce qu'ils voulaient certainement me contrôler. Mais oui, bah oui. Ouais, ils contrôlent. Cassé, quoi. Ils arrêtent pas de contrôler en ce moment, ouais. Ouais, mais c'est pour ça que, comme j'ai dit à ton collègue, j'ai annulé le rendez-vous. C'est parce que là, à peine je bouge, au moins. Au bout de quoi, 2 minutes de route, il y a toujours un flic sur mon chemin qui veut essayer de me contrôler. Ah ouais, ils arrêtent tout le monde et en plus ils contrôlent même les passagers. Ouais, je me suis fait contrôler au parking central moi tout à l'heure, deux fois en 10 minutes. Il y a deux épisodes. Ouais, non, mais c'est abusé, genre ils arrêtent tout le monde sans exception, ils se déplacent en véhicule banalisé. Mais attends, mais toi, t'as fait quoi pour mériter ça, je comprends pas. Rien. C'est chelou, wesh. Et tes collègues sont là ou pas? Ben non, là il y en a deux déjà qui sont partis. Là il y en a un qui va pas tarder à arriver en ville. Mais bon, vu comment je suis bloqué, là je sais pas trop ce que je vais faire. Mais viens là où je suis, je donne une position. J'ai un appartement posé. Envoie toujours, je vais voir pour venir. Ah non, mais je vais pas rester non plus une demi-heure ici, tu vois. Juste viens et puis c'est tout, on discute. Et je vais essayer de venir. Si je vois que c'est trop chaud, je t'envoie un message. Là, et... écoute, là où je suis, y'a personne, tu vois. Honnêtement, je suis dans un appartement, je suis posé et y'a personne, tu vois. Je suis en ville à côté d'un coiffeur, y'a un appartement, tu vois. Ah, mais en ville, c'est trop chaud de m'y rendre, je suis carrément à l'opposé là. Ouais, mais bah au pire toi envoie ta position et puis je viens, tu vois. Vas-y, je vais essayer de me trouver un coin tranquille. Vas-y. Je te recontacte. Vas-y, tiens mon courant. Mec, elle a cru. Djibril. Djibril. Ouais. Je parlais avec Doumé, frère. Les flics ils le poursuivaient. C'est le mec, c'est Didier au flic, c'est lui qui en fait ils savaient pas que c'est lui parce qu'ils devaient le contrôler. Lui il a fui et là il est tout au nord de la ville. Il va peut-être me donner sa position en haut, tu vois. Moi je m'en fous de la récompense en vérité, je veux juste lui parler, tu vois, voir ce qu'il a fait et tout, tu vois. Rappeler. Ouais, c'est je vais rappeler le keuf. C'est le dernier mec qui était en train de contrôler, tu vois. Il aura fui. Bah ouais, sa position. Il m'a envoyé sa position. Vas-y, on y va. Vas-y, go. Vas-y, on y va. On le balance pas, on va discuter d'abord avec lui, hein. Tu veux qu'on appelle les keufs? Attends, il m'appelle. Non, attends, il m'appelle. Ouais. Hello. Ouais. Ouais, je t'ai envoyé des coordonnées. Yep. Bah écoute, j'allais t'envoyer les miennes. Bah vas-y, j'arrive alors. Vas-y, je t'attends. Vas-y. Ouais, il est là. Ouais, il est où lui? Tout en or. Ouais, il a bougé ou quoi? Ouais, il est tout là-haut, frère. Ouais. Ah ouais, il est à côté. Il est à côté du bateau et tout. Ah ouais, il est loin. Il est à côté de quoi? Il est vers le bateau, enfin il est vers vers l'eau et tout. Pas de blanchiment, non, on est d'accord là-bas. Non, je crois pas, non. Mets ta cagoule, mets ta cagoule. Doucement, doucement, commence pas. Ouais, je commence pas, frère. Mets ton chapeau au calme. Hein. Mets ta cagoule. Ah ouais, pas d'accident, s'il te plaît. Sinon, on va galérer à trouver un véhicule. Mais t'es mort, frère, qu'est-ce qu'il faut aussi? Ah bah ouais, bah. T'es mort, c'est comme ça. Hein. T'es mort. Tu penses qu'il est armé, Doumé? Il est armé, ouais, ça y est, je crois qu'il est armé. Ok. Je prends un autre véhicule, je vais aller en premier, d'accord? Toi, tu me suis. Vas-y, t'inquiète. Vas-y, arrête, faut que je prenne un véhicule. T'as vu les deux dépanneurs là? Non, j'ai pas vu, non. Les deux dépanneurs qui sont passés. Vas-y, arrête-toi. Ouais, arrête-toi devant un véhicule, comme ça j'en prends. À 4 places, à 4 places. Non, à 4 places, à 4 places. Ok. Ah, rapide, tu vas pas un truc pété quoi. Ah ouais, t'inquiète. Je crois que tu fais tes courses ou quoi? Voilà. Lui, il est rapide, lui. Vas-y. Paye. Allô? Ouais. Ouais, je suis là, dans 800 mètres. D'accord, bah... Je t'attends. Et t'es tout seul? Non, je suis avec Djibril. D'accord, ok. Mais je suis seul dans mon véhicule, quoi, si vous montez. Ok, bah... je vous laisse vous garer près de la maison. Ah, ok. Je vous attends. Ouais, il m'a dit qu'il était là. Il y a une maison là. Ouais, ça va quoi les mecs? C'est la maison de massacre à tronçonneuse. Épouvantail et tout. Voilà. Il y a une théorie sur cette maison, c'est la maison de massacre à tronçonneuse. T'es sérieux? Voilà, regarde l'avant de la maison. Ah bon. Ouais. On va reconnaître la ruelle et tout. Regarde d'ici là. Ah ouais, j'avoue. T'es sérieux? Il y a un fantôme là-haut. Non. À 23h il vient. Toutes les soirs à 23h il vient. Ouais. Je vous montrerai. Ouais, d'où mec? Ouais, non mais désolé pour le petit retard, je vérifiais, enfin, moi et quelques personnes ont vérifié qu'il y avait personne dans vos arrières, j'arrive. Ah ouais, non, tranquille, hein. Qu'une parole. Hein.
Non, ouais, pas de soucis. Okay, disons que je me méfie juste. J'arrive. Vas-y. Il m'a dit qu'il se méfiait, il voulait savoir s'il y avait personne d'autre qui arrivait. Ouais, je tranquille, frère, Jacques Mérine. Ouais, je crois, mais c'est ouf, ouais, il fait trop le mec à Jacques. Jacques Mérine ou quel? Ouais. Eh. Si on veut, là, on se voit, frère. On voit là. Pas, il va arriver normalement. Eh, le fantôme, il apparaît en haut là, tu m'as dit? Ouais. Eh, j'ai un message de ma meuf. Eh, une voiture qui arrive. Ah, une moto. Wesh, le mec le plus recherché! Salut les gars! Ouais, ça va ou quoi? Bah écoute, ça va, enchanté! Bouah, nouvelle coupe, on calme et tout! Ah ouais? Ouais, bon, c'est quoi cette coupe? Je préfère juste prévenir au cas où, ouais. Voyez pas aucune menace, mais c'est juste par précaution. Ouais. J'ai une personne en arrière qui a vos noms et prénoms et suffisamment d'argent pour payer ce qu'il faut pour vous éliminer s'il m'arrive quoi que ce soit. Wouah! Toi, t'es un mec chaud, toi! Attends, précautions. Je peux répondre à mon téléphone ou pas? Quand même, j'ai le droit, non? Je suis gomme. Vas-y. Ouais, bébé, ça va ou quoi? Allô? Hey. Moto. Ouais, ça va? T'es comme d'hab, hein, au commissariat. Non, pourquoi? Longue histoire, comme d'hab. Impression d'être la reine d'Angleterre. T'es sérieux? Attends, mais pourquoi en fait il s'est passé quoi? Longue histoire, frère, c'était à deux doigts d'y passer. C'est tendu, hein, organisé. Ouais, 69, j'attends mon arme. Si t'explique ça, il va me rendre juste mon arme parce qu'il me l'a confisqué. Ah, et vas-y, bisous. En fait, c'est chaud pour ma gueule pour rien. Ouais, attends, vas-y. Je réponds à l'appel. Ouais, du coup, okay, ouais. Oh, ouais, c'est bon, les gars, c'est bon. Pas besoin de venir. Restez là où vous êtes. Genre, y'a personne. C'est bon. Ouais, mais le pire, c'est que je suis recherché, mais vraiment pour rien du tout. Genre, en fait, bah, de toute façon, toi, tu sais très bien hein, pourquoi je suis recherché. Hein, moi, je sais pas. Pour m'être échappé. Non, mais je parle à Djibril. On s'est fait torturer en cellule alors qu'on avait été arrêté sans aucune justification. Bon, encore mais ouais, pour lui, mais je veux bien comprendre. Je t'entendais, t'es en mode ah, je ah et tout. Mais j'étais passager d'un véhicule volé, moi, j'ai rien fait. Voilà, parce qu'il est là. Ouais, bah. Encore, toi, il y avait un minimum d'éléments. Moi, il y avait absolument que dalle en fait. Prends tes pastilles, bébé. Plus doucement, ça. Prends tes petites pastilles, bébé, s'il te plaît. C'est bon là? Ouais, parfait. Ouais, tranquille. Ok, ouais. Mais du coup, c'est la merde. Je me retrouve fugitif alors que je suis le citoyen le plus innocent au monde. Tant pis, hein, s'ils veulent que je fasse ressortir mon côté corse et que j'aille les plonger six pieds sous terre dans le maquis. Parce que t'es corse. Y'a pas de soucis, hein. Dans le maquis. Eh ouais, je suis corse. Ah ouais. Ils se sont jamais demandé pourquoi il y avait une baisse des cimetières en Corse. C'est parce que les cadavres, on les chope, on leur fait des chaussures en béton et on les coule dans la Méditerranée. Ouais, je veux pas entendre ça, wesh. Je suis sensible, wesh. T'es sérieux, là? Voilà, vas-y, maintenant, je vais pas dormir. T'as vu ta pipe, maintenant, putain. Mais du coup, là, c'est quoi ton plan? Parce que tu vas pas être recherché toute ta vie, frère. Faut te rendre, à un moment donné. Sinon, tu vas empirer les choses. Je vais pas me rendre. Je vais surtout essayer d'obtenir justice en récoltant des aveux et des preuves concrètes concernant les magouilles de certaines personnes de la LSPD. Si ça passe et qu'il y a quelqu'un de plus haut qu'un capitaine de la LSPD qui prend en charge cette affaire, tant mieux. Si personne ne prend en charge cette affaire, bah tant pis, la justice se réglera autrement. Et si c'est par la force, bah ça sera par la force. Mais déjà, il y a le mec qui nous a torturés hier avec Pablito et Djibril. Lui, déjà, il peut... Ouais. Il peut se préparer à aller dans le maquis et goûter les petites herbes naturelles. Hein, vas-y, parce que... ferme ta gueule, prends pas pour Jacques Mesrine, vas-y, je te prends ton arme, tu témoins de communication, fais pas le fou avec moi. Mets-toi à genoux, dépêche-toi. Voilà, si tes potes ils viennent, ils tirent une balle, frère. T'es dans la tête, direct. Bon, ramène tes potes sans armes, sans rien. C'est un coup de bluff ou pas? Ah non, non, t'as... Oh non, non. Bah dis-leur pas un coup de bluff. Dis-leur de venir alors sans armes. Ramenez-les sans armes. Malheureusement, c'est des personnes qui sont pas mes amis, c'est des personnes payées pour me protéger, payées par information. Ouais, c'est pas des personnes qui descendront. Donc ils me laisseront crever. Okay. Par contre, vous derrière, ils vous retrouveront et vous assassineront. Ah, c'est une menace. Parce qu'ils ont été payés pour ça. C'est une menace. Viens, lève-toi, marche. Viens. Il fait des menaces avec nous, mais il est fou lui, vas-y viens. Ah, t'es prêt pour Jacques Mesrine ou quoi, frère? Viens. Vas-y, Doumé. Ça fait longtemps que t'as pas goûté à l'air marin, je crois. Il est malade lui, vas-y. Avance. Descends, dépêche-toi. Avec ta coupe là, Fifi Brindacy, avance. Ça me rappelle Saint-Malo. Voilà, ça me rappelle Saint-Malo. Ça te rappelle pas Saint-Malo? T'es déjà allé à Saint-Malo ou pas? Non. Ça me rappelle Saint-Merlo. Voilà. Continue là. Ah, là, les gars. Truc en Corse. T'as un sac de béton ou pas? Je comprendrai décidément jamais. Et pourtant, tu vois. On m'avait prévenu de me méfier de vous. Qui vous a prévenu?
Qui vous a prévenu? Dites-moi tout. Oh, t'inquiète pas. Des personnes qui vous connaissent très bien. Ah, d'accord, ok. Bon, bah j'espère. Oh, bah, ils me connaissent pas assez, je crois. Je sais pas. Oui, bah. Vous inquiétez pas, ils ont ce qu'il faut pour me venger. Si quoi que ce soit m'arrive. Oh, t'inquiète pas, frère. Vas-y, mets-toi au bout. Ferme là. Ferme ta gueule et avance. Arrête avec tes menaces, frère. Je vais te me balle en tête, ça va régler en deux. Mets-toi au bout là. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est que c'est plus dans votre intérêt de collaborer ensemble. Collaborer plus que de faire quoi que ce soit. T'es qui, frère? Toi qui t'étais Léonie ou quoi? Ouais, j'étais rien du tout ici. Mets-toi à genoux, les mains sur la tête, dépêche-toi. Dick, attends. Ouais, Doumé, ouais. Attends. Bon, Doumé, t'as fait quoi du coup? Dis-moi la vérité là. Parce que frère, à tout moment. Bah, la vérité? Bah, la vérité, tu l'as. J'ai été victime de violences policières. Ouais. J'ai manqué de respect aux agents pour ça. J'ai essayé de me défendre. J'ai fini plusieurs fois dans le coma. Et quand je suis ressorti, les médecins m'ont raconté ce qui s'est passé. J'ai pas voulu repartir en cellule quand Djibril y était. Ok. Et Djibril, j'ai décidé de m'échapper. Recule. Dis-moi, t'as quoi sur le chapeau? Sur qui? Le chapeau. Que connais pas. Le chapeau, le black market, là, t'as quoi dessus? Absolument rien. Et c'est qui les noms, les gars qui veulent après, le buter par contre, c'est qui tes potes là? On va commencer à lui arracher des doigts. Le nom, c'est qui les mecs avec toi? C'est qui leur nom là? C'est quoi leur nom? C'est des personnes que j'ai contactées via le Darknet. Djibril, recule. Il commence à me casser les couilles, recule. Ah vas-y frère, oh tu sais quoi? Recule. Des doigts, ça, des... Non, là, je... attends, tranquille. Donne des noms, dépêche-toi, donne des noms, frère. Vas-y, remonte. Dépêche-toi, vite, remonte. Là. Remonte vite. Donne des noms, wesh. Ah bah ouais. On sait pas nager. Wesh, le Corse, tu sais pas nager, le Corse. C'est dur de nager. Vas-y, remonte. Prochaine fois, ce sera une vraie balle. Donne le nom des mecs, là. Dépêche-toi. Je connais pas leur nom. J'ai juste leur adresse email. Leur adresse email, vas-y, balance leur adresse email. Alors attends. Vous pouvez me rendre mon téléphone que je regarde? Je te donne ta tablette, pas ton téléphone, juste ta tablette. Ouais, j'ai pas de tablette, j'ai qu'un téléphone. Bah c'est tiens, je te... Ah bah t'sais quoi? Tu viens de gagner une tablette. Voilà, c'est cadeau, c'est offert par la maison. Ah putain, il a de la nickel. Chance. Moi je veux des mails. Alors attendez, laissez-moi regarder. Je veux des mails, laissez-moi regarder. Je surveille ce que tu fais, frère. Un truc travers, une balle dans la tête, ok? Ouais, y'a pas de soucis, vous pouvez regarder l'écran. Alors c'est simple, c'est 4 Anony Mou 5. Et après, c'est le seul nom que j'ai. Le reste de l'adresse email est crypté puisque c'est eux qui m'ont contacté, qui ont ouvert la discussion suite à mon message Twitter posté plus tôt. T'as posté quoi sur Twitter? J'ai posté des menaces envers le capitaine en lui disant que la justice allait être rendue. Et j'ai demandé à des personnes du Darknet étant beaucoup plus calibré de me contacter. Une fois qu'ils m'ont contacté, j'ai supprimé le tweet en question pour éviter que... Tu les as payés ou pas? J'ai pas payé en argent, j'ai payé en information. En information, tu leur as donné quoi comme information? Oh, des informations qui, pour toute personne, semblent complètement banales, mais des habitudes concernant des agents, des choses comme ça, okay. Des trucs tout con. Je vais reprendre ton téléphone, c'est bon. Ouais, y'a pas de soucis. J'ai pris le braque, le continue à braquer, s'il te plaît. Ouais, parle avec 1080. Le braque, je vais t'expliquer la situation. On va livrer au keuf. 1080, donc vous bossez pour les flics? Qu'est-ce que tu me dis, toi? Non, je sais pas, ça ressemble à un matricule de flic, 1080. Ouais, exactement. Tu connais pas les Belges? Exactement. Il est vraiment con, hein, putain. On a que ça à faire. Ouais, 1080, ça va ou quoi? Attends. Ouais, t'es où là? En fait, je suis devant le Comico là, je vais demander à Adama combien il peut proposer pour lui. Vas-y. S'il propose un truc intéressant, on va négocier. S'il propose rien d'intéressant, qu'il aille niquer sa mère. Eh frère, y'a pas qu'il nique sa mère, tu sais qu'il a dit? Il a dit genre que vu qu'on l'a menacé, y'a des mecs qui vont nous truc, qui vont nous buter. Frère, je lui mets une balle dans la tête, j'en ai rien à foutre. Le mec il te menace au calme comme ça, bah ouais. ça mérite le truc, quoi, nique sa mère la police. J'arrive. Voilà. Vas-y, t'as la position ou pas? Ouais, vas-y, la position, j'arrive. Vas-y. Juste attention, j'ai entendu un hélico, je pense que ça doit être un hélico de flic, hein, donc. Vas-y. Attention, quoi. Vas-y, ramène. Laissez-vous sur un droit ou un truc comme ça. Non, on est là, t'inquiète, on le braque. Vas-y, j'arrive. J'ai genre 100$. Non, c'est pas grave ça. Doumé, dis-moi. Il va se passer quoi pour nous là, du coup, juste après là? Ah, c'est bon. Du coup, il va se passer quoi pour nous là? On risque quoi? Bah, disons que les personnes qui sont censées me protéger sont au courant. Mais je viens de les donner. Ouais, c'est bon, je les ai. Ouais, du coup, ouais. Bah, disons que les personnes qui sont censées me protéger ont tout simplement vos coordonnées et. Enfin, vos noms, prénoms et tout ce qui s'ensuit pour agir si vous avez quelque chose. Pourquoi ils ont nos noms et prénoms? Tranquille, t'inquiète. Parce que depuis le début de la soirée où vous m'avez contacté, je me suis renseigné sur vous, j'ai entendu des rumeurs, on m'a déconseillé de vous voir, et puis j'ai quand même voulu vous faire confiance, parce que je suis pas un criminel, je suis ni un dealer, ni rien, je suis juste un citoyen
qui me fait tromper par le système et par des communistes qui essayent de retourner le gouvernement. D'accord, t'as toujours le mail à tes potes là? Tu vas leur dire que c'est pas nous. Ouais. Tu vas leur dire je me fais braquer par deux flics. Vas-y, prends ton téléphone. Je peux plus leur répondre. Si, ça a été un échange de un. T'as encore leur mail. Non, c'est un mail, c'est un mail, une réponse. Ok. Non, c'est des non, mails cryptés. Non, d'accord. Ils ouvrent la conversation. Ils envoient une requête. J'ai compris. Écoute, ce qu'on va faire, si tu vas juste marquer. Les droits. Ah, mais il va. C'est quoi, t'as? Je vais lui couper une couille. Il va aller sur Twitter. Il va aller sur Twitter, il va mettre une annonce publique au calme. Ah, mais oui. Tu vois, mais... tu prends ton téléphone. Mais bien sûr. Tu dis juste que je m'excuse auprès des flics, je vais me rendre, puis c'est tout. On oublie tout ça. Mais pourquoi je me rendrai auprès des flics? Vous avez pas compris que c'est eux les ripoux? Mais quel ripoux? Mais je suis recherché de quoi? Je suis recherché parce qu'ils essayent de me faire taire. Mais taire de quoi? Tu crois que t'as la science infuse ou quoi? T'as aucune vérité, frère. J'ai aucune vérité, j'en sais bien plus et je sais bien plus de choses concernant les flics que certaines personnes ici en ville. Vas-y, donne les infos. Ben je viens de te les dire que les flics étaient ripoux, communistes, essayaient de retourner le gouvernement. Ouais, mais faut des preuves, c'est facile de dire ça, frère. Dans tous les gouvernements, il y a des flics ripoux. Tu nous apprends rien. Mais justement, les preuves, je suis en train d'y travailler. Je suis en train de récupérer des aveux. Des aveux de qui? De quoi? Par rapport à quoi? Mais j'ai des aveux d'agents corrompus. J'ai des plans qui se mettent en place, ça fait à peine 24 heures que je suis en cavale. Attends, t'as des agents corrompus qui vont avouer des trucs. Mais t'es sérieux, tu prends pour un coup? Ah non, mais pas de leur plein gré, pas de leur plein gré. Quand je t'ai dit que j'allais faire usage de la force, tu fais quoi dans la vie, Doumé? Bah, je suis livreur. Livreur et ça se prend pour le Che Guevara. Mais t'es sérieux, le Che Guevara, pizzaiolo. Voilà, beau gosse. Écoute, moi j'ai rien à me reprocher. Si tu veux me livrer au flic et toucher ta récompense, vas-y. Je sais pas en vérité si je dois te livrer au flic ou bien te mettre une balle dans la tête parce que tu m'as quand même menacé. J'aime pas trop ça, tu vois. J'aime vraiment non, pas je t'ai ça. Pas menacé, je t'ai juste fait part d'une assurance vie que je me suis mise derrière si jamais je venais à disparaître. Ouais, une assurance vie, donc c'est une assurance mort pour moi, donc c'est quand même une menace pour moi, tu vois. Mais si tout se finit bien, il y aura pas de menace. Bah ça dépend. Il y a rien qui se passera. Si je te livre au flic, je risque quoi? Ah bah la même chose. C'est-à-dire? Bah la mort. Ah! Et des tueurs à gages sur ton cul. Ouais, bon, autant finir maintenant alors, j'en ai rien à péter. Ou alors je reste en vie, on travaille ensemble et on essaye de trouver un accord et puis tout ira bien pour tout le monde. Ah, un accord. Quel type d'accord? Un accord. Ouais, mais quel type d'accord? Bah, je te laisse me proposer des requêtes, je peux pas savoir à ta place ce que tu souhaites. Je vais juste te ligoter déjà parce que tes bras ils bougent beaucoup là, tes pieds aussi là. Tu peux te mettre à genoux s'il te plaît? Et les mains sur la tête. Les mains sur la tête. Pense fort. Main sur la tête. Ouais, c'est pas mal, ouais. Peut mieux faire, hein, mais c'est pas mal. Hein. Bon, du coup, alors, un accord. Ça dépend, en fait, ce que tu peux me proposer, quoi, comme information, sur Black Market, sur quelque chose comme ça, tu vois, genre, faut un truc intéressant, tu vois. Je peux éventuellement m'infiltrer auprès des gens que j'ai rencontrés. Ils faisaient le mal au début, hein. Et essayer de gratter des informations sur eux, essayer, pourquoi pas, d'organiser un rendez-vous pour que tu puisses ensuite les choper. Ok, ça, c'est pas mal, ça. Et sur Madriga... J'ai déjà réussi à en rencontrer... Sur Madriga, t'as des infos Madriga. Ou pas? Bah, à part qu'il y a des rumeurs comme quoi il serait ripou et des trucs qui tournent. Genre, pour l'instant, j'en sais pas plus. Mes collègues en sont. T'as vu la photo sur Twitter ou pas? Chose, il me semble. T'as vu la photo sur Twitter ou pas? Peut-être. Je sais pas de laquelle tu parles. Celle qui est anonyme, celle qui a été postée anonymement avec. Tu sais, quand il parle avec un mec au loin, dans la lunette d'un sniper, d'un viseur. Oui, je l'ai vu. T'en penses quoi? J'en pense que c'est la preuve typique du capitaine corrompu. Ouais, je vois. Écoute, je vais parler avec mon pote là. Tu bouges pas d'un seul poil, ok? Non, pas de soucis. Viens en bouge vite. Prends-le et viens en bouge. Ah ouais? Je peux boire, hein, s'il vous plaît? Bien sûr, vas-y. C'est un peu compliqué. Vous pouvez les liens que j'ai au pied, ouais. Ouais, j'enlève les pieds, parce ouais. Parce que là, cloche-pied, c'est compliqué. Vas-y, c'est bon, tu peux aller, vas-y. Merci. Bouge, cours là. Vas-y, cours. Cours là, cours. C'est les flics, c'est qui? Allez, viens. Bon, ils montent où là? Vas-y. Monte sur la moto. Non, on a deux motos, on a deux motos, c'est bon. Vas-y, au pire, on a une 4 places, on va le braquer dans le véhicule, vas-y, non, on va monter la montagne, il y a les flics de l'autre côté, frère, ça rien. En véhicule, ils vont... en véhicule, on a une 4 places, on va le braquer. Ouais, là, mais frère, vas-y, viens. T'as pas compris, c'est que tu vas monter. Prenez la motocross, vous pourrez vous échapper plus facilement. Ah, c'est ça que je dis, frère, les flics, ils ont des véhicules, ils peuvent pas aller dans les montagnes. Vas-y, bref. Nous, on a des motos, vas-y, c'est easy. Et il y a un hélico juste au-dessus de nous pour info. Ouais. Vas-y, suis-moi.
Du coup, il s'est passé quoi alors? Ah frère, je vais les soulever ces flics. Pourquoi? Non mais y'a pas de récompense. Parce qu'ils me font me contrôler, frère. Non mais je m'en bats les couilles là, si t'es à côté. Non mais la récompense, je m'en fous la récompense. Mais zéro récompense, frère. Djibril il a parlé avec eux. J'ai l'impression qu'il a parlé pour la D. Frère, parce que en fait, parce que si on l'ouvre aux flics, apparemment, genre, tu sais, il nous a menacé de mort. Et voilà quoi. Il m'a dit si vous me laissez en vie, on peut travailler doucement. On pourra travailler ensemble, etc. Tu vois. Mais quel travail ensemble? Casse-toi sur un arbre, Djibril. Casse-toi sur un arbre. C'est bon, on perd de vue. Ah, il a dit qu'il pouvait taper pour nous. Casse-toi bien sur un arbre. Ah, il a dit qu'il pouvait taper sur nous. Ouais, c'est ça, il m'a dit, ouais. On va en discuter. Vas-y, tape un dump, sur l'autre côté, viens. Tape un dump, s'il suit. Regarde l'hélico, s'il est de l'autre côté. Ouais, il est derrière nous. T'as vu? Il nous suit? Ouais, là il commence. Il commence à nous suivre, là. Là, on fait un dump ici. Arrête-toi, dès qu'ici, arrête-toi. On va retaper un dump, casse-toi. S'il y a les flics. Mais ils sont juste au-dessus. Descendez du véhicule. Ah ben nique-toi, on va voir si je descends.